Bonjour les amis, c'est Suellen, graine de magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo concernant le signe des Sagittaires pour le mois de février 2022. On va aller regarder ensemble ce qui se passe d'un point de vue général, d'un point de vue sentimental et relationnel pour un petit peu ce mois de février. Je vous rappelle que les énergies sont générales, qu'elles ne vont pas parler à tout le monde, donc prenez bien garde de garder votre bon discernement, de garder un petit peu la tête sur les épaules et de regarder ce qui vous résonne, d'accord? De ne pas extrapoler, tout simplement. Si vous souhaitez avoir un complément d'information, c'est tout simple, vous allez consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus, ça vous apportera des gros compléments sur ce mois de février. On va commencer. Je tenais quand même à remercier tous ceux qui me suivent, tous ceux qui me soutiennent. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit carré en bas à droite de l'écran. Ça me montrera que vous aimez les vidéos. Et puis pourquoi pas activer cette petite cloche, cette fameuse petite cloche pour recevoir les notifications. Voilà les amis Sagittaires, allez c'est parti, on y va. On va commencer avec l'oracle de Qumran et on va aller voir la question qu'il va falloir vous poser. En tout cas, sur ce mois de février, quelle est l'interrogation qui vient s'agiter en vous pour ce mois de février, mes chers Sagittaires? La question c'est, qui es-tu? Peut-être que tu t'es un petit peu perdu, peut-être que tu ne trouves plus ta place, que tu ne sais pas qui tu es. Ça peut venir évoquer plein de situations. Mais on sent que sur ce mois de février, tu te sens peut-être un petit peu perdu. Tu as perdu peut-être des notions que tu avais avant, peut-être que tu as déménagé, peut-être que... Ça peut être plein de choses, hein. On peut me parler de plein de choses, mais comme si tu avais perdu ton identité ou tes repères, et pour le coup, tu ne sais plus qui tu es toi-même, d'accord? Peut-être qu'il y a eu de la peine ou des choses comme ça qui ont fait que, tu vois, tu as perdu un équilibre à l'intérieur de toi, et tu ne te reconnais plus. On va aller regarder un petit peu à la coupe, et ouais, il y a l'idée de se voiler la face. Avec cette carte, c'est vraiment l'idée... Je n'arrive pas à voir qui je suis, hein, d'accord? On est vraiment dans ça. Et j'ai l'impression qu'on se voile la face aussi. Alors, si on est un homme, clairement, vis-à-vis de soi, et si on est une femme, c'est peut-être... on n'ouvre pas les yeux vis-à-vis d'un homme. Alors, tu vois, ça peut être un homme ou une femme. Pardon, excusez-moi. J'ai un chat coincé dans la gorge. On est vraiment en train de te dire qu'il faut que tu ouvres les yeux, d'accord? Peut-être sur ton couple, peut-être sur une association... Que tu prennes un peu de large, tu as besoin de prendre de la distance, du recul là sur ce mois de février. Hein. On sent que c'est très très présent. Hein. Ah, mais je suis encore bien prise là, ça m'agace là, ma gorge et mon nez là qui sont encore bien pris. Ça m'agace là, ça m'enquiquine vraiment. Quand je parle, du coup j'ai des quintes de tout, c'est vraiment très désagréable. Allez, on y va, c'est parti, la patience. Cette fameuse carte du... Ouais, encore l'idée de se voiler la face. Tu sais que tu dois attendre, tu sais que tu dois patienter, mais t'as pas envie. Ok, le silence, le travail, ici les ciseaux et le printemps. Un autre deck, les discussions. Alors, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a une protection. Il y a la protection au milieu, alors peut-être que c'est la protection d'un homme qui le fait en cachette, peut-être qu'il y a un homme qui est très proche de toi, peut-être que... Tu te sens en sécurité dans ton habitation, chez toi. Je suis désolée, je vais boire un coup parce que j'ai vraiment un chat dans la gorge et ça me rend. Pardonnez-moi. Bon, il y a vraiment l'idée que je me sens en sécurité chez moi, dans mon habitation, bien au chaud, proche des miens. Je suis dans un espèce de cocon et je ne veux pas ouvrir mes yeux sur l'extérieur. Je ne veux pas m'ouvrir ou m'épanouir, m'ouvrir à autre chose. Ouais, y a vraiment des discussions qui vont être importantes pour faire bouger les choses. Des rendez-vous importants qui font bouger des choses. Ah, ça m'agace, hein. Il va vraiment falloir couper. Il va falloir se défendre. Au niveau du travail, il y a des idées nouvelles. Il va falloir vraiment... peut-être qu'on te propose quelque chose sur le printemps. Et au mois de février... Ouais, il y a quelque chose comme ça. Alors, fin février, je pense qu'on commence à te proposer des choses pour le début du printemps.
Et toi, ça ne va pas forcément te plaire, hein. Donc là, on te sort de tes habitudes, on te sort de ta zone de confort. Mais j'ai l'impression qu'ici, les pourparlers, les discussions, ça va te permettre vraiment de faire bouger les choses, ne plus rester dans cette stagnation. Tu trouves il y a des solutions qui sont trouvées là. Il y a quelque chose comme ça. Et on va aller éclaircir un petit peu ce tirage. Il faut que tu tournes le dos à une situation qui est complexe. Tournez le dos parce qu'on a des options, on a des nouvelles qui arrivent ici. Ouais, il y a quelque chose d'assez inattendu. Il y a quelqu'un qui vient t'apporter un message qui est assez inattendu là. Ouais, quelque chose qui revient du passé. Il y a peut-être quelque chose qu'on t'avait déjà proposé et qui revient. On te propose aussi d'être dans un état d'esprit nouveau, de revenir à toi. Il y a quelque chose là-dessus aussi. Il y a des blocages depuis cet hiver, on sent que c'est bloqué et que c'est pas que t'attends la fin, hein, t'attends pas la fin. Mais tu vois, c'est marrant, depuis tout à l'heure aussi, j'ai cette notion de gorge qui gratte comme si tu voulais t'exprimer et que ça sortait pas en fait. Tu ne dis pas le fond de ta pensée. Tu as perdu le sens de qui tu étais. Quelle est la valeur que tu te donnes en fait, en tant que femme, dans tes émotions. Ah, c'est marrant ça, hein, j'ai encore ce couple, hein. Tu attends des nouvelles. Moi, j'ai vraiment cette sensation, j'attends des nouvelles pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir grandir. J'ai du mal à exprimer à mon autre ou en tout cas à quelqu'un un petit peu le fond de ma pensée, de mes émotions. Je ne sais plus qui je suis. Je me voile la face. Je sais que je dois tourner une page. Je sais que je dois mettre un terme à quelque chose. Il y a quelque chose qui a pris fin sur la période de l'hiver. Alors certainement sur le mois de décembre ou janvier et que pour le coup, eh ben maintenant, on se sent vide. C'est comme s'il manquait quelque chose à la vie. Et pour le coup, cette idée d'être dans un cocon familial, elle s'est un petit peu... ça s'est ébranlé. Il y a quelque chose qui n'était pas attendu, qui s'est un petit peu ébranlé. Et du coup, on n'arrive plus à s'exprimer, on ne sait plus qui on est, on ne trouve plus forcément sa place. Il y a quelque chose comme ça ici, sur ce mois de février. On doit se réadapter à quelque chose. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Allez, on y va avec les tarots. On va aller voir un petit peu. Ben, ça a envie de parler, hein, ça saute, hein, déjà. Cavalier d'épée, on est pourtant déterminé à trouver qui on est, déterminé à trouver où on veut aller, comment on veut agir, comment on va avancer. Il y a quelque chose comme ça sur le mois de février. Allez, on y va. À la coupe, le 6 d'épée. Tu vois, on reste dans l'idée de s'éloigner, d'avoir de nouvelles perspectives, de savoir, on cherche, on part à la recherche de qui on est vraiment. On est dans l'idée d'un renouveau, hein. Là, avec le jugement, on s'éloigne pour retrouver qui on est, l'essence même de notre être. Et j'ai la sensation, vraiment, ouais, c'est ça, hein. Il faut que tu apprennes à avoir ton intérêt à toi. Moi, j'ai l'impression que tu as pensé longtemps, très longtemps aux autres, mais que tu t'es complètement oublié. Et qu'aujourd'hui, tu as du mal à jongler avec cette idée de ben, comment je fais? Parce qu'avant, je m'occupais tout le temps des autres et pas de moi. Et c'est trouver cet équilibre. Tourner le dos à la façon que vous aviez de faire pour trouver une nouvelle façon d'agir, en fait. Ouais, il y a des possibilités, mais il faut passer à l'action. Fini de roupiller, là. Hein. Fini de roupiller, les Sagittaires, il faut passer à l'action. Il faut aller regarder droit devant. On arrive à la fin d'un cycle. Ça y est, c'est le jugement. C'est là. Et le jugement, il t'appelle vraiment à évoluer, à grandir, à voir les choses différemment, à renaître, tout simplement. Ok, bon, allez, on y va, les Sagittaires. Les Sagittaires, les Sagittaires. On y va, c'est parti. Il y a un conflit intérieur ici que tu dois résoudre. Ok, il y a un conflit intérieur. Il y a en fait, on a envie d'aller trop vite. On aimerait savoir qui on est avant, sans travailler vraiment, sans chercher à comprendre. Mais on a des attentes qui sont très élevées. Moi, j'ai l'impression que les Sagittaires, en fait, ils cherchent vraiment à comprendre ce qui leur arrive. Ils savent plus où ils en sont. On a besoin de se reconnecter. On est en rivalité, en compétition, en désaccord ici, sur ce mois de février. On n'est pas d'accord avec les gens. On trouve plus sa place. Et j'ai la sensation que le problème, c'est aussi que vous êtes tellement dans l'impatience, vous êtes tellement dans... Alors, ce n'est pas forcément l'impatience le terme, mais vous êtes impulsif là sur ce mois de février. Vous agissez sur des coups de tête, vous mettez des termes à des choses comme ça, d'un coup, d'un seul. OK? L'éclair, il est là. J'ai l'impression qu'en fait,
Vous avez des coups d'éclat. Il peut y avoir des coups d'éclat là sur le mois de février pour les Sagittaires. Et surtout, j'ai l'impression qu'on n'arrête pas d'avoir des regrets, de la perte, de la confusion émotionnelle par rapport à son passé. Parce qu'on a des attentes qui sont trop élevées. Et on ne se rend même pas compte qu'on devient froid, qu'on devient un peu austère. Et cette dame-là, cette reine d'épée, elle est franche. Elle est franche, elle dit les choses assez directement. Le problème, c'est que elle est très tranchante. Elle le dit peut-être un petit peu trop vivement. Et ici, avec le 4 de denier, il y a cette idée de vouloir tout contrôler. D'accord? Et vous ne pourrez pas tout contrôler, là, les Sagittaires. Sur ce mois de février, vous allez devoir être patient, apprendre à vous reconnaître, apprendre à parler, mais de la bonne façon, gentiment, patiemment. Et là, en fait, on sent que vous avez de la fougue, vous voulez tout contrôler, tout diriger, vous êtes en conflit. Et ça, c'est vraiment compliqué pour vous à gérer. Parce qu'il y a eu une perte, il y a eu quelque chose qui s'est terminé, je vous dis, sur une période, peut-être décembre, janvier, et que vous avez du mal à retrouver votre place, en fait. Et je ne sais pas pourquoi. En fait, vous vous fermez, vous vous bloquez, vous êtes sur la défensive. Et là, on vous dit qu'il va falloir s'apaiser pour revenir à vous, quoi. Il y a peut-être des éclats de colère, des choses comme ça, mais il va falloir voir la vie un peu différemment, sinon ça va être compliqué avec les autres. Ok, bon, des éclats de colère là pour les célibataires. Pour les Sagittaires, ouais, des gros éclats de colère, hein. Peut-être des propositions nouvelles aussi au niveau professionnel, mais qui vont pas forcément vous plaire. Vous allez vachement négocier, en fait. Ouais, il y a quelque chose comme ça. En fait, je sens comme un gros ras-le-bol et de vous dire, bah merde, j'ai même limite envie de partir au loin, d'envoyer chier tout le monde et voilà, de savoir, pour savoir qui je suis vraiment. J'ai aidé les autres, j'ai aidé les autres et puis personne n'est là pour moi, je me retrouve tout seul, toute seule et je sais plus qui je suis en fait. Parce qu'en fait, j'ai tellement donné et je vivais tellement à travers les autres qu'aujourd'hui, je ne sais pas qui moi je suis. Quelle est la personne que je dois être? Comment je dois évoluer? Comment je dois avancer? Il y a quelque chose comme ça. Au niveau relationnel, voyez, il y a quelque chose à transformer ici, hein. On est avec le serpent, l'énergie du serpent. Alors, soit c'est du poison, soit ça va me parler de transformation. Le serpent, c'est une carte qui parle de transformation. C'est une carte qui parle de séduction, qui parle de trahison aussi, hein, dans le Lenormand. Nous l'oublions pas. Alors attendez, je m'excuse 2 petites minutes parce que mon chat ne fait que des bêtises. Décidément, cette vidéo, elle va être compliquée, hein. Allez, on ressent de la tension. Vous voyez, cette tension que je vous parle depuis tout à l'heure, hein, et ben, on y est, hein, on y est. Hein. C'est pas anodin les événements extérieurs, hein. On sent que là, au fond du cœur, on sent qu'il y a quelque chose qui est un petit peu embêtant. Hein. Allez, c'est parti. On y va avec le petit Lenormand. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires? Les oiseaux. Vous voyez, il va falloir vraiment discuter, parler. Et quand je vous disais que vous aviez envie d'évasion, vous voyez, il y a la cigogne. J'ai l'impression qu'on est en train de discuter, en train de parler, parce qu'on sent qu'il y a des conflits. La carte de la faux. Ça peut être plein de choses. Ça peut représenter une rupture, d'accord? Rupture, trahison. On est en train de négocier, en train de parler, de dire, ouais, voilà, on arrête quelque chose. Mais ça peut être aussi la récolte. On récolte un petit peu ce qu'on a semé. Il y a quelque chose comme ça aussi. Encore cet homme qui revient, ok? L'arbre, le cercueil. Vous voyez, il y a vraiment la fin de quelque chose, hein. Dans votre tirage, c'est vraiment très vif. Le pont et les poissons. Alors, concrètement, ce que je ressens pour les célibataires. Alors, pour les hommes, on sent qu'il y a des nouvelles, il y a de la nouveauté, il y a quelque chose qui se dessine. On va récolter peut-être le fruit de ces efforts qu'on a travaillé sur nous. On crée un pont, un nouveau chemin qui se dessine parce qu'on arrive à mettre un terme à quelque chose. Moi, j'ai la sensation que ce serpent ici pour les célibataires, concrètement, il me parle d'une transformation et on se dirige vers de l'abondance, même si on est méfiant et que on regarde bien tout à la loupe, d'accord? On sent que la prise de hauteur nous a fait du bien pour nous enraciner. Pour les célibataires, c'est pas forcément trop négatif. Pour les couples, c'est pas forcément négatif, mais ça peut. On peut me parler d'une rupture sentimentale. On peut me parler aussi de mettre un terme à quelque chose, de tout plaquer pour pouvoir reconstruire quelque chose de nouveau. Peut-être l'envie d'un déménagement. On commence à parler et à dire qu'on veut bouger, qu'on veut en terminer avec quelque chose. Ça concerne généralement, pour moi, le 17, la carte de la Singogne, les changements,
Il y a quelque chose où on a envie de déménager. Moi, la cigogne, c'est vraiment la carte de du déménagement. On a envie d'aller voir autre chose. Et les poissons peuvent me parler de biens matériels. Attention cependant à cette transformation, parce que on n'oublie pas que dans la carte du serpent, on a toujours cette tête de mort là et ce poison. À ce que ce soit pas une façon pour vous de vous retrouver, de savoir qui vous êtes. Attention, on n'amorce pas l'idée d'un déménagement ou d'un nouveau chemin sans avoir travaillé sur soi. Il faut aussi prendre considération de tout, et c'est pas parce que vous allez déménager que ça va effacer les problèmes. En tout cas, moi, c'est ce que ça vient me dire. Donc, bien attention à ça, parce que n'oubliez pas que sur le mois de février, vous êtes impulsif, vous agissez sur des coups de colère, on sent qu'il y a du conflit émotionnel. Vous cherchez toutes les solutions possibles pour aller de l'avant. Et là, vous êtes assez tranchant. On n'oublie pas qu'il y avait quand même cette idée de la reine d'épée tout à l'heure. Donc, on est vraiment dans une idée d'être très tranchant et de ne pas tergiverser, en fait. On a envie d'être dans l'action. On a envie d'avancer, on est impatient. Donc attention quand même, hein, ici. Je vais rajouter une carte sur la faux. Ouais, voyez, hein, attention à ce que vous allez récolter, parce que vous êtes tellement impatient et tellement instable émotionnellement que ça risque de vous causer du tort. La carte de la croix, c'est souvent le fardeau. Il y a quelque chose émotionnellement qui vous pèse et que vous aimeriez laisser de côté. Seulement, on ne résout pas les problèmes en prenant de la distance, on résout les problèmes en allant de l'avant. D'accord? Et en traitant les problèmes un par un. Et voyez, quand je vous parle de maison ici, l'habitation, elle est là. Je pense que les couples auront vraiment envie, besoin, en tout cas, de retrouver un équilibre, de se sentir bien, loin. Et peut-être l'envie, la solution, c'est d'avoir la clé d'une nouvelle maison. Il y a vraiment cette idée-là. Je trouve des solutions dans mon foyer pour me sentir bien et je construis un pont pour aller voir de l'autre côté, acheter une autre maison, aller voir une autre maison. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Mais pour moi, c'est cette idée que vous êtes en train de vouloir faire ça, mais pas pour les bonnes raisons. Après, c'est à vous de voir, hein, à vous de décider. Mais ne soyez pas impatient ou n'agissez pas sous le coup de l'impulsivité. D'accord? D'abord, apprenez à cerner qui vous êtes de nouveau, parce qu'on sent qu'il y a un événement qui a été là et qui fait que ça a chamboulé votre comportement émotionnel et vous voulez tout bouger parce qu'en fait, vous vous faites un peu chier, en gros, hein. C'est un petit peu ça. Clairement, c'est concrètement ça. Donc, faites bien attention, les Sagittaires. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous. On se retrouve très vite, les amis, pour de nouvelles aventures. En attendant, vous n'oubliez pas les petits pouces en l'air, vous n'oubliez pas les commentaires. N'hésitez pas à cliquer sur le petit carré en bas à droite. Et surtout, les amis, gardez bien votre bon discernement. Ces vidéos sont générales et elles ne parleront pas à tout le monde. Je vous souhaite un bon mois de février. Je vous dis à très vite. Bye bye!